Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Salut Martin. Hey, bonjour Mickaël, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien. Hey, super le fun. On est ensemble malgré la Ben COVID. oui, on réussit à être sur la même scène ensemble, Ouais, c'est extraordinaire. super, Ben oui. super. Donc, écoute, c'est le fun de t'avoir à côté de moi, Martin. C'est le fun de. Je me sens moins seul. J'avoue, hein, ces temps-ci, on a tendance à se sentir un petit peu Ouais, seul à l'écart. effectivement. Donc, écoutez, premier épisode de l'année. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Bonne année, Martin. Tout à fait. Bonne année à toi aussi, Michael. Bonne année à Ouais. toutes les gens qui nous regardent. Super. Comme vous pouvez le constater, on a un petit changement au niveau du setup. J'espère que vous appréciez. On a voulu changer un petit peu la dynamique des présentations. Et là, je vois qu'il y a une petite chose blanche. Je ne sais pas si c'est toi ou moi, Martin. Je ne sais pas si tu vois l'écran, là, mais au centre, il y a une petite. Je ne Ouais, sais pas c'est qu'est-ce qu'il y a moi. là. C'est toi? Non, c'est moi. Oh, OK. oui, j'ai OK. regardé ça tantôt. On parle, c'est ça, c'est le soleil, hein, tu sais, quand on fait des tests, Ah, ouais, on c'est ça. contrôle pas la Ouais. revue du soleil. Ouais, même moi, je Donc, vois ouais, effectivement, c'est le ça. soleil est présent aujourd'hui. Ouais. Excellent. Donc, Exactement là. ouais. Donc, pour ceux et celles qui écoutent pour la première fois, ben, sachez que vous pourrez retrouver tous nos vidéos. Enfin, on est à la 30e épisode, Martin, déjà. Ça, le temps passe vite. Donc, Ça toutes va les vite. vidéos sont sur YouTube. Vous allez voir passer, j'ai un petit robot là, qui va vous donner le lien. Si vous voulez voir les précédents épisodes, vous pouvez aussi vous abonner à la mailing list si vous voulez être notifié des prochains épisodes. On essaye, Martin, de faire ça une fois par mois. C'est ainsi, on est dans une cadence une fois par mois, je pense que c'est raisonnable. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est bien. Puis à chaque mois, on a toujours une nouvelle Assez importante, à oui. montrer, à parler ou à démontrer. Ouais. Donc, oui. Exact. OK, donc on va y aller avec le premier bloc de présentation qui sont nos prochains événements, Martin. Donc, je vais changer le titre qui est ici. Donc, prochain événement, enfin, on a un seul événement planifié pour l'instant. On est en train de travailler avec marketing sur d'autres événements pour le mois, les prochains mois qui s'en viennent, fin de l'hiver. Fin d'hiver, ça fait drôle à dire déjà. Mais oui, on s'en va vers la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc, on va revenir avec d'autres activités prochainement. Donc, la prochaine activité, c'est le 25 février à 13h. Et tiens, je vais vous montrer ici. Donc, c'est le Meetup. Meetup, le Red Hat User Group, en fait, qu'on tient 3 fois par année. Donc, on a trois présentateurs, pardon. Donc, le premier présentateur, ben, c'est Martin. Martin, qu'est-ce que tu nous présentes au Red Hat User Group? Ben écoutez, si vous n'êtes pas tanné de m'écouter parler, de montrer des choses, ben on va regarder la virtualisation dans OpenShift. Donc, on va voir là, comment qu'on peut amener une machine virtuelle dans un monde de conteneurs. On va regarder ça en détail, comment qu'on attache la réseautique autour de ça, comment qu'on peut même utiliser je dirais ce véhicule-là pour moderniser des applications. Donc, Écoute, ben en fait, c'est quelque ça va chose qu'on a voir un de grand nombre. c'est quelque chose qu'on a déjà présenté à l'épisode, Martin. Fait que la différence, en fait, écoute, on va se mettre au goût du jour, hein. Il y a des nouvelles versions qui ont sorti depuis qu'on l'a présenté. Oui, oh, il y a Fait que, vraiment des améliorations bon, qui ont été super. faites. En fait, il y en a à chaque release. Vous savez, l'OpenShift évolue très rapidement, beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc, oui, on va regarder ça en détail. La Bon, virtualisation super. n'a pas échappé à l'innovation qui se passe dans nos communautés. Exact. Donc, une première présentation. Les deux autres présentations, on va présenter Ansible Automation Hub. Maintenant, on peut l'installer localement. Donc, on a nos collègues Daniel qui va faire une démonstration sur comment l'installer, comment l'utiliser on-site pour gérer vos collections localement. Et finalement, on a un collègue de Toronto, francophone, un monsieur qui s'appelle Ralph, qui va venir présenter le kit de migration Spring Boot vers Quarkus. Donc, on a parlé un petit peu, Eric a parlé du code de Quarkus au dernier rock, donc on a voulu garder un sujet sur Quarkus, donc Spring Boot vers Quarkus, ça va être présenté au prochain rock. Donc, pour vous inscrire, oui, Martin, tu voulais dire quelque chose? Ah, je veux juste dire, écoute, tu m'as dit Toronto francophone, suite, je t'ai pâté en partant, il n'y a même pas présenté encore. Donc, on va voir ça le 25 février, 13h. Vous pouvez vous inscrire. Je viens de mettre le lien dans le chat. Il faut être client Red Hat pour participer. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 abonnements Red Hat, là. Il suffit d'un abonnement de nos produits et vous avez accès au Red Hat User Group.
Excellent. Donc, c'était nos prochains événements. Qu'est-ce qu'on a après ça dans notre émission? On a les nouvelles et trouvailles, prochain bloc. Donc, plusieurs petites nouvelles et trouvailles aujourd'hui, Martin. On va commencer avec le premier. En fait, c'est une suite à ce que j'ai discuté le dernier épisode. Dernier épisode, Martin, tu ne pouvais pas être présent. Je pense que c'était pris sur Non, un ça, dossier oui. important chez un client. Exact. Donc, juste faire un petit retour. J'ai parlé de ce qui se passe dans la communauté CentOS. Donc, juste en rappel là, pour ceux qui ont peut-être manqué mon dernier épisode. Donc, côté CentOS, Red Hat a décidé de changer un petit peu la façon dont on distribue CentOS. Donc, au lieu d'être une simple copie de RHEL 9, maintenant, dorénavant, CentOS va s'émincer entre Fedora et RHEL, va devenir beaucoup plus actif, va ajouter plus de valeur à RHEL, puisque CentOS va devenir un peu la version qui va vous permettre de voir ce qui se passe dans les versions mineures. Qu'est-ce qui s'en vient dans la version mineure de RHEL 9? Mais ça va être développé dans CentOS 9 Stream. Donc, CentOS Stream, la version 9, va. Et tiens, je mentionne des 9, là, mais on n'a pas de 9 de disponible. Je pense que c'est la première fois qu'on mentionne des 9. Donc, oui, on a commencé le développement de RHEL 9, de CentOS 9 aussi. Ça va se faire des bonnes chances au travers Fedora 34. Donc, dès que Fedora 34, la prochaine release de Fedora, est construite et rendue GA, on va partir de Fedora 34 et on va créer RHEL 9 et CentOS Stream 9 en même temps. Tu voulais dire quelque chose, Martin? Exact. Ben, en fait, ce que je trouve dommage de cette nouvelle-là, c'est qu'elle a été accueillie de façon un peu négative là, par bien des gens. Puis, en fait, à l'interne, on a eu la chance de voir exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce changement-là est arrivé. Puis vraiment, le flux de développement entre CentOS et RHEL va être beaucoup plus optimal, va vraiment amener l'innovation dans RHEL. On va vraiment voir CentOS comme étant une continuité de Fedora. Donc, moi, je le perçois là, sur un œil pleinement positif. Oui, excellent. Donc, et ça m'amène à parler, à m'en aller vers qu'est-ce que Red Hat fait pour cette communauté CentOS-là qui est criante. Là, les gens sont vraiment, comme tu disais, fâchés. J'en ai vu de toutes les sortes sur les réseaux sociaux en décembre et en janvier. J'ai même vu cette semaine, j'ai nos collègues qui m'ont transmis un courriel d'un client qui était vraiment pas content qu'on change ce modèle-là. Donc, écoutez, on laisse pas personne, on va pas laisser personne avec des problèmes, là, parce qu'on sait que CentOS est utilisé beaucoup même en entreprise aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, on a bonifié en fait le programme Red Hat. C'est notre programme, excusez, développeur, le développeur subscription, en fait, qui est gratuit. C'est déjà une offre que je vous ai présentée dans quelques épisodes. Donc, vous pouvez avoir des RHEL gratuits. On pouvait avoir un RHEL gratuit, en fait, avec le développeur subscription, sans être tout à fait légal. C'était par contre purement pour du développement. Ce qu'on a fait, on a bonifié le développeur subscription. Donc, on a monté le nombre d'instances de 1 à 16. Donc, vous pouvez déployer jusqu'à 16 systèmes. Et vous pouvez faire ça pour ce que vous voulez, développement, test, production. Faites attention ici, par exemple, c'est fait pour les individus et non les entreprises, cet abonnement-là. Donc, quand vous voulez télécharger, il faut s'inscrire en fait au développeur subscription et vous devez mentionner que c'est pas une compagnie, vous le faites pour vous-même. Donc, si vous avez une couple de machines à la maison, vous utilisez peut-être pour votre serveur web personnel, votre serveur de courrier personnel, bien maintenant, vous pouvez le faire en toute légalité avec cet abonnement-là, jusqu'à 16 systèmes à la maison. Donc, ce qui est quand même bien. On a aussi voulu adresser les gens qui étaient déçus en entreprise, les gens qui utilisaient CentOS en entreprise. Donc, on a un nouveau programme qui s'en vient. Nouveau type d'abonnement, Developer Subscription for Teams. Donc, ça, c'est pour les entreprises. Donc, vous allez avoir une seule abonnement, va vous donner jusqu'à 25 000 systèmes que vous pouvez déployer, c'est 25 000 réels, tant aussi longtemps que c'est que pour du développement et non de la production. Et là, on est en train de changer les termes aussi pour inclure, si vous faites du CI/CD avec RHEL, donc pouvoir inclure aussi ce use case-là à l'intérieur. Le produit n'est pas disponible pour l'instant. En fait, il est disponible si vous avez une urgence, vous en avez besoin, vous pouvez nous contacter aux ventes. On peut arranger quelque chose, mais officiellement, le bundle va être disponible au début avril. Puis, sérieusement, là, je vous encourage fortement à créer votre compte développeur sur Red Hat. Allez-y. Vous allez voir la quantité de ressources, là, puis pas juste des accès à télécharger, la quantité de documentation, d'exemples, d'idées,
qui sont là, c'est phénoménal. Juste une petite parenthèse, là, Michael. J'ai moi-même créé mon compte. En tant qu'employé, c'est sûr qu'on a accès à plein d'affaires. J'ai dit, tiens, je vais utiliser un email personnel. Je vais créer mon compte. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Si j'étais un user là, qui a carrément pas d'accès comme tel à Red Hat. Donc, juste avec le développeur subscription, j'ai vraiment été impressionné par la quantité de ressources qui est présente. Puis écoute, Michael, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais on devrait même passer à travers ça là, dans une épisode Oui, futur on avait discuté, ben pour vous oui, montrer ça, effectivement, ouais, ouais. on avait discuté, puis effectivement, on pourra refaire le tour de ce qui est offert. Puis justement, avec les bonifications qu'on est en train de faire, là, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait finalisées encore, là, mais quand on aura quelque chose de plus solide, Martin, on fera le tour absolument, là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous regardent, qui sont impactés par ça, puis encore une fois, on ne veut pas laisser personne dans le trouble, donc on veut aider tout le monde. Je pense que c'est une belle offre, on bonifie en fait ce qu'on donnait déjà aux clients. Tout à On fait. ouvre ça plus large pour éviter que les gens s'en aillent avec d'autres distributions Linux. OK. Autre nouvelle, Martin, et je pense que celle-là, je vais te la laisser. C'est une acquisition qu'on a faite. Ah, En fait, peut-être avant stack. que. Oui, Oui, StackRox, avant que peut-être que tu stack embarques. rocks. Oui, avant que tu embarques peut-être dans ce que c'est StackRox, juste vous mentionner que. Oui, on a été acquis par IBM. Je l'ai mentionné souvent, puis je le répète encore, là, on reste indépendant de IBM. On est vraiment géré comme une entreprise complètement à part. Et là, la preuve est là. On vient de faire une acquisition. C'est pas IBM qui a fait l'acquisition, c'est Red Hat. En tout cas, ça a été annoncé comme Red Hat. Je sais que quelque part en arrière, la personne qui paye, c'est peut-être IBM, là, mais bref, ça a été attitré comme une acquisition pour Red Hat. Donc, Martin, qu'est-ce que c'est StackRox? Ben, en fait, c'est un engin qui va nous permettre d'appliquer des règles de sécurité, de faire de faire des vérifications de sécurité, du scanning, mais pas juste au niveau des images, au niveau des déploiements. Ça va aller jusqu'au niveau de la réseautique. Je pense que tu as même t'as une vidéo Oui, c'est aussi, en train de là, rouler en ce Michael, qui moment, explique quand ça. on se parle, oui. Puis, non, c'est ça, moi, je le vois pas. Mais Oui. ça va très loin, là. Ça va même se connecter au SDN de Kubernetes pour aller analyser les flows qui sont là, générer des network policy, visualiser les network policy. Ça va très loin en termes de sécurité. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant, cette acquisition-là. Parce que souvent, le problème qu'on voit en sécurité, c'est qu'on adresse les problèmes de façon indépendante. On n'a pas une vue globale, de ce qui se passe dans notre infrastructure. Alors, StackRox vient vraiment nous aider à ce niveau-là. Donc, comment ce produit-là ou comment ce projet-là va s'intégrer? Évidemment, notre modèle de développement, ça a toujours été le logiciel libre. Comment ça va se ramasser dans une communauté? On ne le sait pas encore. C'est tout frais comme acquisition. On vous en parle. On n'a pas les autres informations. Mais je suis à peu près certain que dans notre prochain Twitch, prochain mois, on va en savoir un petit peu plus où ce qu'on s'en va. Puis on va savoir un petit peu plus les points d'intégration avec Red Hat. Ah, excellent, excellent. Puis comme ce que vous voyez en fait comme vidéo en ce moment en fond d'écran, c'est vraiment le produit tel quel de StackRox, comme Martin l'a mentionné. On ne sait pas trop encore comment ça va être intégré. Est-ce que ça va être intégré avec OpenShift, avec ACM ou un autre produit? On va le voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais on voulait juste vous montrer un petit peu le visuel de ça. Mais le visuel est vraiment génial. On ajoute une couche de visuel super tripante à OpenShift. Tout à fait. Tout à fait. Excellent. Excellent. OK. Maintenant, prochain bloc de discussion, Martin, c'est les dernières sorties. Donc, on a deux sorties pour vous à vous présenter avant la démo principale aujourd'hui qui va être sur ACM. Donc, on y va avec la nouvelle suivante. Oups, c'est gros ça. On a un petit peu. Le carré est un petit peu trop gros. On va aller diminuer. Putain, j'avais tout essayé avant. On va aller ajuster ça. C'est des choses qui arrivent. OK. OK, donc, Martin, quelle est cette sortie? 17 décembre, je crois. Oui, les Windows Container. Okay, je sais, on a beaucoup de clients qui nous en parlent, disent, écoutez, on veut rouler un conteneur sur Windows pour différentes raisons. Le code n'est pas prêt pour être en .NET Core, en pur container Linux. Bref, mille et une raisons pour justifier ce besoin-là. Donc, on a maintenant un opérateur et c'est GE, hein, Michael? Corrige-moi si je me Oui, trompe. C'est c'est GE, oui. GE. Oui, depuis le 17 Donc, on a décembre. un opérateur
qui va s'occuper de déployer la machine Windows, les engins Kubernetes, la réseautique SDN, puis d'associer ce serveur Windows-là directement à votre cluster OpenShift. Et à partir d'OpenShift, on peut instancier, gérer le workload, finalement, nos conteneurs natifs Windows. Donc, c'est vraiment bien, ça vient simplifier totalement l'adoption des conteneurs Windows. Ça vient aussi nous aider à unifier finalement les conteneurs qui sont sur Windows versus les conteneurs qui sont en Linux parce qu'ils bénéficient du même SDN qui est géré par OpenShift, par l'opérateur de Windows Machine Config Operator. Exact. Donc, on vient de compléter, là, pour ceux qui doutent si on roule Windows ou pas avec OpenShift, là, je pense qu'on vient de couvrir avec ce ouais. dernier là, vraiment tous les use cases possibles de pouvoir rouler Windows. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important chez nous. Et écoutez, les Windows Containers, s'il y en a qui me suivent depuis le début, là, je pense que voilà 2 ans et demi quand j'ai commencé, on en parlait. Ça s'en venait. On travaillait avec Microsoft, mais le développement a été vraiment long, là, de stabiliser tout ça. Puis je pense que c'est au côté légal aussi, ça a été toute une aventure. Là. Mais bref, on est rendu là. Je ne sais pas si Sébastien nous regarde, mon collègue Sébastien, mais c'est quelque chose que Sébastien avait très hâte, puis il en parlait souvent. Puis je disais, Sébastien, sois prudent avec ça. On ne sait pas quand ça va sortir. Mais là, c'est là. Puis effectivement, Martin, ce qu'on pourrait faire là, pour. On a manqué peut-être un petit peu, là. C'était, j'aurais aimé ça qu'on en parle aujourd'hui, mais bon. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, on n'a pas eu la chance de jouer beaucoup encore avec, mais dans une prochaine épisode, on va couvrir ça là, en long puis en large, avec une bonne démonstration. On a quand même plusieurs personnes là, qui nous regardent, puis que c'est des bons consommateurs Microsoft aussi. Tout à fait. Puis, il y a des petits changements aussi à venir là, du côté comment ça interagit, le Windows Container. Vous savez qu'on sort Docker de l'engin Kubernetes. Donc, Docker va avoir son propre runtime externe à Kubernetes, ce qui fait du sens finalement avec les container runtime interface. Donc, Docker va avoir le sien, ce qui va nous amener possiblement du côté des Windows container à adopter plutôt Containerd au lieu de Docker. Excellent. Donc ça, c'était une sortie qu'on annonçait avant les fêtes. Au retour des fêtes et pas plus tard qu'un petit peu plus tôt cette semaine, en fait, une nouvelle version pour OCS, pour OpenShift Container Storage, version 4.6. Donc il vient tout juste de sortir. Bon, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, cette version-là? En fait, je pense que c'est quelque chose, Martin, qui était très attendu du côté d'OCS. Là. Dans les dernières discussions qu'on a eues ensemble avec des clients, là, c'était chaud sur la table. Là. Fait que je te laisse. C'est ça. Du côté OCS, en fait, OCS, c'est un excellent produit. Là. Juste un petit rappel. Là. OCS, qu'est-ce que c'est? C'est l'orchestration d'un cluster Ceph dans OpenShift. Okay? En gros, là, ça nous installe, ça l'orchestre. Puis quand je dis pas juste installer, mais aussi ça gère le cycle de vie, donc la mise à jour de notre cluster Ceph dans OpenShift. Puis, ça nous permet de, ça nous fournit du stockage en fichiers, blocs et objets. Donc, finalement, ça règle tous les use cases de stockage qu'on peut avoir besoin. Et puis, dans les trucs qui étaient manquants, c'était des choses simples de stockage. Exemple, les snapshots, faire du recovery et principalement faire des backups. Faire des backups vers des appliances externes. Donc, c'était quelque chose qui était beaucoup demandé par nos clients. C'est vrai que ça a été long, mais il y a une raison derrière ça, c'est parce qu'on travaille conjointement avec la communauté, on travaille avec la communauté Kubernetes, entre autres, pour s'assurer que ce qu'on développe, c'est pas une petite bébite à part, c'est pas un petit code propriétaire qui va fonctionner juste dans un petit écosystème. Non, c'est développé dans la communauté. Donc, on utilise les CSI, les Container Storage Interface, qui sont standards, pour supporter les nouvelles fonctionnalités, backup, snapshot, volume clone, ces choses-là qui sont apparues dans 4.6. Donc, c'est ça. En fait, il y a un API qui a été développé pour faciliter les vendeurs qui veulent se brancher OpenShift à OCS, plus précisément, là, pour prendre des backups. Pour l'instant, avec la nouvelle version 4.6, on a annoncé 3 partenaires. Donc, le premier, sans surprise, IBM, avec Spectrum Protect Plus. En fait, on a TrioVault,
aussi qui se joint au groupe. Et finalement, un que je suis content là, qui est embarqué dans l'aventure, c'est la compagnie Veeam. Donc Veeam qui est très populaire du côté Windows, VMware. Donc avec un produit qui s'appelle Kasten K10, donc qui permet de se brancher à OCS pour prendre les backups. Donc super nouvelle. Donc c'est ce qu'on avait dans les sorties, Martin, deux sorties qu'on a eues depuis la dernière fois qu'on s'est vus. On va tout de suite, on va passer au sujet principal aujourd'hui de notre épisode, donc qui est la présentation et démonstration de ACM. Donc, Martin, oups. Ben, avant que je partage mon écran ou autre, on pourrait peut-être prendre juste une petite minute, expliquer c'est quoi ACM. OK. Puis pourquoi? Tu sais, dans le fond, c'est le nom du produit, c'est Advanced Cluster Management for Kubernetes. Et moi, j'aimerais juste qu'on fasse un petit step back sur pourquoi on a besoin d'un outil comme ça. Puis, en fait, les gens qui ont adopté les conteneurs, les gens, quand vous êtes lancé dans les conteneurs, est-ce qu'il y en a certains qui ont cru que vous alliez avoir juste un cluster à un endroit? En fait, peut-être au début, mais je pense que plus les gens avancent dans leur, en anglais on dit leur journey, leur histoire, vont se rendre compte que non, c'est faux, c'est totalement faux. J'aurai jamais juste un cluster en tant qu'entreprise. Je vais en avoir un sur site, c'est sûr. J'ai des données que je veux contrôler. Je vais sûrement avoir un site de relève. Je veux adopter le cloud public. Je vais peut-être en avoir un dans AWS, dans Azure, dans Google, IBM, peu importe. Bref, je vais avoir des clusters un peu partout. Je veux la mobilité. Je vais avoir le choix aussi du provider, de mon provider de cloud d'info nuagique. Donc, c'est là qu'ACM vient en place. C'est de nous donner une vue unique de l'ensemble de nos déploiements et puis de contrôler puis d'avoir une vigie sur ce qui se passe dans l'ensemble de nos clusters. Donc, c'est un petit peu ça la démonstration aujourd'hui. C'est vraiment de montrer l'outil, les capacités, jusqu'où on peut aller avec ça. Je vais aller très, très vite dans la démonstration, mais ça va vous donner une petite idée des capacités. Parfait. Donc, on a deux autres personnes, Martin, qui sont abonnées à notre chaîne. Donc, merci. J'essaie de retracer les noms. Mais je vois dans l'historique, ça ne m'est pas affiché. En tout cas, quand ça va m'afficher, je vais les nommer. Je pense que je les vois ici en bas à droite. Bref, fait qu'on est prêt pour la démonstration, Martin? Oui, tout à fait. Je vais partager mon écran. Oui, t'en mode un petit 2-3 secondes. OK. Quand t'es prêt. C'est bon. Excellent. Alors, est-ce que tu vois mon écran, Michael? Oui, c'est bon. Parce que moi, je vois absolument rien de ce qui se passe. Oui, tout est beau. Parce qu'il y en a qui ont cru qu'on était vraiment dans la même salle, là. Sinon, on ne l'est pas. On aurait porté des masques. Hein? On aurait porté des masques si on l'avait été. Oui. Très important. Très important. Je veux dire, petite note là-dessus, Martin, sur la COVID. Là, ma famille est affectée en ce moment. Pas ma famille proche, là, mais ma famille du côté de mes parents, dans sa famille. Il y a plusieurs personnes là, qui ont la COVID en ce moment. Là, fait que, oui, respectez les distances, mettez vos masques, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui regrettent peut-être de ne pas l'avoir fait comme il faut. Là. On va souhaiter le meilleur à ta famille. J'espérais qu'il n'y ait rien de grave. Donc, vous voyez ici l'interface principale. En fait, je vais aller plutôt ici. Donc, ici, c'est un sommaire de l'ensemble de mes clusters OpenShift dans ACM. Donc, je vais juste faire un petit refresh parce que tantôt, j'ai fait un petit changement. Ça ne sera pas long. Parfait, excellent. Alors, j'ai un cluster sur Google. J'ai un cluster sur AWS et le other, en réalité, c'est mon cluster custom que j'ai, qu'on peut considérer sur site. Okay? En réalité, il est hébergé chez OVH, donc sur une machine que j'ai louée là-bas. Donc, ce qui est le fun, c'est que déjà en partant, quand j'entre dans CM, j'ai une vision globale de ce qui se passe dans mon infrastructure. C'est quoi les pods là, qui sont fonctionnels? Est-ce que j'en ai des failed, pending? Et au niveau de la compliance également, on va aller en détail de ce côté-là. Et l'autre fonctionnalité, c'est de pouvoir gérer et créer ces clusters-là. Okay? Comme exemple, ici, si je rentre dans la vue détaillée de mes clusters, vous allez voir que, première des choses, on va m'afficher quel cluster a des updates de disponibles. Donc, je pourrais déjà, à partir d'ici, cliquer sur « Mettre à jour le cluster », puis lancer la mise à jour, puis je verrai le statut
de ce qui se passe. Mais je ne le ferai pas parce qu'on va avoir besoin de ce cluster-là pour la démonstration. Okay? Donc, local cluster sur site Google AWS. Maintenant, si je veux ajouter un cluster, regardez à quel point c'est facile. Une fois que j'ai ACM qui est en place, petite parenthèse avant que j'oublie, ACM, c'est un outil qu'on installe sur son propre cluster OpenShift. Okay? Ce n'est pas un SaaS, ça ne garde pas vos données. C'est vos données, c'est votre infrastructure. Okay? Donc, si je veux ajouter un cluster, je peux tout simplement aller cliquer « Add cluster »,« Create cluster ». Donc, je vais rentrer ici AWS East. Je vais m'en créer un dans l'Est des États-Unis. Je vais cliquer ici « AWS ». Je sélectionne l'image que je veux, le « Release ». Je peux vraiment choisir n'importe lequel. Je peux même aller essayer. Voyez-vous, j'ai essayé un 4.7 qui n'est pas sorti encore. Fait que des fois, ça peut être très utile pour tester une release à l'avance, voir si une fonctionnalité est apparue ou non. Donc, je clique sur la release de mon choix. Évidemment, mes informations de connexion étaient déjà stockées. Et je descends, node pool, combien de masters je veux, combien de workers, US East, dans quelle région, je choisis ma région, et je clique create. OK? Bien sûr, en arrière, qu'est-ce que ça fait? Ça génère des fichiers YAML. Donc, c'est sûr que le best practice, ce serait de mettre nos fichiers YAML sur un Git et de les appliquer sur notre engin ACM. Et ACM, étant géré par opérateur, va consommer ces fichiers YAML-là et générer votre cluster. Mais pour les fins de démonstration, c'est plus simple de tout simplement aller dans le UI puis vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en a. Donc, vous voyez ici, AWS East, en cours de création, on n'attendra pas parce que ça va prendre peut-être 30 à 35 minutes avant que ce cluster-là soit fonctionnel. Si on est chanceux d'ici la fin de l'épisode, Martin. Ça va vraiment être chanceux. Ouais. Mais c'est possible. Tout est possible. Ouais. Donc, première utilité d'ACM, gérer les clusters, gérer le cycle de vie, les updates, les créer et voir le statut. Deuxième élément très important d'ACM, sinon le plus important, la gestion des gouvernances, okay, et le risque. Si vous êtes familier avec OpenShift, probablement que vous êtes familier avec les SCC, hein, les Security Constraints de OpenShift, qui nous permettent de limiter les actions qu'un container peut prendre. Donc, l'action, je pense, la plus commune d'OpenShift, c'est d'être exécuté as root. On ne veut pas que les conteneurs soient exécutés as root. Et la policy qui est en place pour restreindre l'exécution as root d'un conteneur, c'est le restricted SCC, qui est partout, qui est de base sur tous les clusters OpenShift. Maintenant, vous avez plusieurs clusters. Vous avez un administrateur qui est, j'aime ça dire ça, qui est body-body avec le développeur. Le développeur, il dit, hey, mon pod, il part pas. Il est en crash loop back, ça fonctionne pas. Pas de problème, je vais changer le SCC, je vais permettre l'exécution as root sur ton cluster, tu n'auras plus jamais de problème. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas que les administrateurs puissent bypasser la sécurité. Martin, il faut être sévère là-dessus. Là. Je veux dire, les gens, là, on l'entend souvent, moi puis toi, là, on rencontre des clients, les clients qui disent « Ah, c'est beaucoup plus simple d'enlever cette restriction-là. » Écoutez, c'est vraiment pas une bonne pratique. Là. Faites pas ça. C'est pas OpenShift le problème. Il y en a qui disent que c'est OpenShift, mais c'est pas OpenShift le problème. C'est le container qui était mal construit. Et en plus, non seulement il est mal construit, là, mais il vous expose à des problèmes de sécurité énormes avec ça. Là. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Michael. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Ici, voyez-vous, j'ai une policy qui est en place. OK? Elle est vérifiée sur trois clusters. Hein, comme j'ai dit, j'ai trois clusters qui sont actifs. Et puis, rémédiation, inform. Donc, je vais, dans ce cas-ci, je vais être informé si quelqu'un modifie la policy. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, je vais juste grossir un petit peu mon écran ici. Alors, OC get SCC, je suis sur mon cluster on-prem, OK, mon cluster sur site hosté chez OVH. Donc, on va aller changer ça. OC edit SCC restricted. Parfait. Alors, c'est quoi la petite clé qui fait qu'on ne peut pas exécuter un container as root? C'est cette clé-là ici, run as user, type must run as range. Must run as range, ça veut dire que le namespace ou le projet que vous avez créé dans OpenShift a un range de UID, de user ID, que Linux peut prendre. Et puis,
automatiquement, les conteneurs vont s'exécuter avec ces users-là. Donc, on ne peut pas le prédire, on ne sait pas. C'est un user qui est dynamique. Donc, d'une instanciation à l'autre, ça peut changer. Puis, c'est exactement ce qu'on veut comme comportement. Par contre, si l'administrateur arrive ici, il change le type, il dit non, moi, je veux run as any. Ça veut dire que ça peut être un user fixed ou root. Bref, n'importe quel user, je sauvegarde la policy. OK? Si vous avez plusieurs clusters, gérés, quelqu'un fait ça, vous le saurez jamais. En fait, ça peut vous prendre beaucoup de temps avant de vous en rendre compte. Si vous avez ACM en arrière, regardez, immédiatement, vous allez être notifié. Immédiatement, j'ai un gros flag rouge ici qui me dit quelqu'un a violé, en fait, un cluster viole les policies ou une des policies de la liste. Et la voici. Donc, si je clique ici sur Restricted SCC et je regarde la policy, okay? Bon, premièrement, cette policy-là s'applique à tous mes clusters. Je peux limiter le scope, si on veut. Je peux limiter à quel cluster j'applique quelle policy. Vous allez le voir tantôt parce que ça va être exactement le même principe que les applications. Tantôt, on va déployer une application. Puis quand on déploie une application, on va fonctionner par étiquette, par label. Okay? Donc, je label un cluster. Ma policy, elle va matcher ce label-là. Alors, la policy s'applique sur le cluster en question. Okay? Dans ce cas-ci, j'ai décidé de matcher tous mes clusters. Je ne veux pas d'exception pour le SCC. C'est trop important. Donc, vous voyez ici, local cluster, not compliant. Si je regarde au niveau du statut, et je regarde au niveau de l'history, alors je vois qu'à peu près une minute ago, je suis tombé en mode non-compliant. Okay? Donc, vous allez me dire, OK, c'est intéressant, c'est bien, je le vois, mais il faut quand même que je le regarde. Hein? Il faut quand même que quelqu'un regarde la console pour prendre une action. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement changer la rémédiation. Donc, au lieu d'être informé, on peut carrément enforce it. Donc, si je clique sur enforce, qu'est-ce qui va se passer? ACM va prendre sur lui d'aller réécrire la policy telle que l'administrateur d'ACM a décidé. Donc, dans mon cas, la clé que je veux, c'est « must run as range ». Alors, ACM va aller réécrire la policy. Et dans quelques instants, vous allez voir que « cluster violation », on va retourner au vert, donc on va être « compliant ». OK? Puis on va aller voir si c'est vrai dans notre cluster ici. Donc, on va juste attendre ici « restricted SCC ». Puis c'est coulé combien de temps, Martin, à peu près? C'est quelques secondes. C'est juste parce que là, tu sais, je veux dire, quand on fait une démo, ben, regarde, vois-tu, ça vient de changer. Ça vient de changer. Donc, je vais aller voir si c'est vrai. Je vais aller faire un edit, encore une fois. Puis, voyez-vous, on est revenu à Must Run as Range. OK? SCC, c'est un exemple parmi des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'exemples qu'on pourrait utiliser. OK? N'importe quelle ressource du cluster pourrait être surveillé de cette façon-là. Si vous voyez les autres policies que j'ai créées, ce sont, exemple, je veux m'assurer qu'un namespace est présent. Je veux m'assurer qu'un role binding a été appliqué, qu'un airbag custom est appliqué. Dans d'autres exemples, là, comme je dis, par faute de temps, on n'ira pas là, mais comme exemple, si vous créez un rôle spécifique pour, exemple, votre CI/CD, vous voulez pas que votre CI/CD puisse aller lire des secrets. Hein? On veut juste que ça déploie des applications. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'un CI/CD aurait le droit de lire un secret. Okay? Donc, si quelqu'un modifie le rôle custom qu'on va avoir créé pour notre CI, alors on peut dire à ACM de le surveiller, de l'enforcer et de s'assurer que le rôle ne soit jamais modifié, altéré. Bon. Troisième élément, les applications. Gestion des applications. Et vraiment, là, on m'a impressionné encore. Là, ça n'arrête pas de se bonifier comme offre. C'est assez incroyable. On a de la misère à suivre la cadence. Donc, gestion des applications, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller fournir un git à ACM. Okay? Puis, ce git-là va contenir des ressources Kubernetes. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer le git que j'ai fourni. Where am I? C'est un... Ça, j'ai comme fait exprès avoir de la misère à le dire. Donc, c'est une petite web app que j'ai faite. Ça fait pas grand-chose. Tout ce que ça fait, c'est ça vérifie sur quelle adresse IP publique l'application a été déployée. Ça fait un whois pour savoir à qui appartient cette adresse-là. Puis là, ça va me dire est-ce que je suis déployé sur OVH, sur Amazon, sur Azure ou autre. Okay? Donc, c'est tout ce que ça fait.
Donc, évidemment, j'ai mon code, c'est une petite application Flask Python avec un web UI Vue.js et j'ai mon répertoire de manifeste. Ah, mais mon manifeste, c'est quoi? Une application standard Kubernetes, deployment, une route. En fait, j'ai deux routes dans ce cas-ci. Vous allez voir là, pourquoi je m'amuse avec une route globale. Et un service, évidemment, qui est utilisé par les routes. Donc, rien de plus simple. Je pense que ça ne peut pas être plus simple que ça. Ah oui, aussi, dans mes manifestes, j'ai le build. Donc, mon build config, mon image stream, ça veut dire que ACM va carrément créer toutes ces ressources-là dans le cluster de destination. Ce qui veut dire que mon application va se faire builder live dans le cluster de destination. Qui est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Donc, si je m'en vais ici dans cette vue-là, alors j'ai mes applications qui sont là. Comme je vous ai dit ici, Where am I pointe sur mon Git que je viens de vous montrer. Donc, je clique sur cette application-là et on va voir les ressources associées à mon application. Alors, ici, on voit mon application, ma subscription et la subscription va déterminer à qui cette application-là appartient ou plutôt sur quel cluster l'application va être déployée. Dans ce cas-ci, c'est uniquement local cluster. Okay? Alors, pourquoi c'est juste local cluster? Parce que la règle de placement, je cherche mes mots, mais la règle de placement en application, c'est un label. Mon label qui dit ici « Where am I? Okay? » Donc, si je clique sur mon cluster ici et je regarde les différentes ressources, donc j'ai mes différentes routes qui sont là. Okay? J'ai mon déploiement, mon build config, image stream. Donc, toutes les ressources sont ouvertes. Donc, je pourrais faire des recherches dans ACM puis aller voir tout ça. Donc, vous allez me dire, ouais, mais sur un cluster, ça me donne pas beaucoup plus, exemple, qu'une vue développeur dans OpenShift. Effectivement. Maintenant, si on veut cette application-là qu'elle soit déployée dans AWS ou dans Google, parce que j'ai deux autres clusters, c'est ce que j'aimerais faire en réalité. Qu'est-ce que j'ai à faire? Tout simplement aller mettre une étiquette sur mon cluster de destination. Okay? Donc, dans ce cas-ci, je vais juste m'assurer que j'ai bien... parce que j'ai eu un petit léger doute au niveau de... OK, non, c'est bon, parfait. J'ai quand même un petit doute sur ma configuration. Alors, donc, on s'y relance. On clique sur « Where am I? » Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre des labels. Dans ce cas-ci, c'est « Where am I? » égale « Yes ». C'est le label qu'on va utiliser pour déployer cette application-là ailleurs. Donc, on va tout simplement aller dans nos clusters ici, faire un refresh, être sûr qu'on a le dernier statut et on va le déployer sur, exemple, AWS CA, Edit Label. Donc, « Where am I? » égale « Yes ». En ajoutant ce label-là, je retourne ici à la vue. Vous allez voir, les refreshs sont aux 15 secondes. Fait qu'on va voir on va voir finalement une mise à jour ici de la vue qui va se passer. Et là, ACM va détecter, va dire OK, je dois déployer cette application-là sur AWS également. Nouveauté qui est apparue dans la dernière version 2.1 de ACM, intégration avec Ansible Tower. Donc, je viens de lancer mon déploiement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de lancer une tâche Ansible, une pré-task. Vous allez voir qu'après ça, on peut faire des post-tasks. Donc, si je m'en vais ici, je me reconnecte du côté de... voyons. Tower. De Ansible Tower. Et voilà la tâche. Donc, on vient d'exécuter la tâche Send Slack qui m'a envoyé ici à 12h54, c'est bien ça. Le déploiement est commencé sur Local Cluster et AWS CA. Hein? Et là, vous voyez ici, le déploiement vient d'être complété sur AWS CA et on me dit le déploiement est terminé. Et moi, j'ai même été un petit peu plus loin. J'ai dit, tiens, étant donné que là, mon application va être distribuée un peu partout sur des clouds, pourquoi pas utiliser Ansible pour mettre à jour Route 53? Hein? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Update Route 53. Ansible est en train de parler à Route 53 en utilisant mes credentials. Et je fais un petit refresh ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ici,
ma route globale, Where Am I, contient maintenant mon adresse d'OVH, mais aussi celle de AWS. Okay? Donc, si je relance exactement la même chose, si j'ai le temps, Michael, je vais juste retourner ici au niveau des clusters, puis je vais l'ajouter sur Google. Okay? Parce que là, vous avez vu tout le mécanisme en arrière. Puis là, vous allez voir ici quel impact ça peut avoir. Where am I? Égal yes chez Google. Donc, même chose ici. Done. Donc, vous allez voir ici, tout les Ansible jobs vont repartir. Ici, on va voir que le déploiement, au lieu d'être sur local cluster AWS, on va aussi inclure Google. Tout ça va se faire automatiquement. Là, je vais juste vous montrer ici, en arrière, la job de Ansible. Donc, vous voyez ici, SendSlack, il vient de partir. Le déploiement est commencé. Donc, la vue ici s'est mise à jour. Évidemment, l'abonnement n'est pas fonctionnel parce que les déploiements ne sont pas terminés sur les autres clusters. Donc, mon bull config, vous voyez ici, il a été déployé sur AWS. Google, c'est en cours d'exécution. Donc, on va builder mon image. Ça va le mettre dans un image stream. Mon déploiement va partir. Donc, et vous voyez ici les post-tasks. Donc, en théorie, le déploiement est terminé. Donc, mes post-tasks devraient être en cours. Fait qu'on va les voir ici du côté d'Ansible Tower. Donc, là, je vous ai montré un exemple de mettre à jour un DNS suite à l'instanciation d'application. Mais ça pourrait être n'importe quelle tâche. Ça pourrait être, exemple, préparer une database ou, configurer un élément réseau. C'est exactement le but. L'intégration avec Tower, en fait, c'était pour venir compléter ce qui manquait du côté ACM. Mais avec Tower, en fait, on vient de rajouter la puissance d'Ansible et faire pratiquement ce qu'on veut. Rendu là, c'est une question d'imagination. Fait qu'on peut vraiment aller aussi loin qu'on veut. Puis vous voyez ici que j'ai mis deux tâches. En fait, on peut en mettre tant qu'on veut. On peut mettre des playbooks qui sont beaucoup plus grands. Donc, c'est vraiment une belle intégration. Donc, on a le Continuous Deployment dans dans OpenShift et aussi l'intégration de ce côté-là. Donc, regardons du côté de Route 53. Si je fais un petit refresh sur cette page-là, ici, on devrait avoir beaucoup plus d'IP. En fait, deux de plus, si je ne me trompe pas. Donc, je vais aller, un de plus. OK. Donc, j'ai Google qui est ici. AWS, lui, a deux IP et j'ai mon OVH. Alors, si je regarde la ressource route, vous allez voir, j'ai une route spécifique par cluster. Okay? Donc, je peux aller voir. Bon, il faut que j'accepte le certificat, évidemment. Et celle-là est spécifique. Donc, elle va aller sur Google. Okay? Donc, mon application n'est probablement pas partie encore parce que je l'ai buildée, puis bon. Fait que on peut même aller. En fait, on peut aller explorer. Je vais vous montrer ici. Dashboard, workload, pod. Ici, where am I? You're running. Donc, si je retourne dans ACM, ça devrait fonctionner. Et voilà. Donc, on voit ici que je roule sur Google. Maintenant, on va aller voir s'il a terminé de builder sur AWS. Et oui, c'est terminé. On roule sur AWS. Maintenant, si je regarde ma route qui est globale, qui pointe sur mes trois DNS, eh bien là, c'est là qu'on va load balancer. Fait qu'on a vraiment une situation hybride. Donc, je clique ici sur Where am I-global, qui est exactement le nom ici dans Route 53, que j'ai updaté à partir d'Ansible, qui lui serait fait trigger à partir d'ACM. Hein, je clique là-dessus. Ah, je me suis ramassé chez OVH. Donc, on va juste quitter ça ici. On va essayer de le faire changer juste en faisant un refresh. Bon. macOS étant ce qu'il est, gère son DNS de façon plutôt... hier, on va essayer de faire ça et je vais essayer, je vais utiliser, excusez-moi, je vais juste ouvrir la page ici, notre DNS. On va clairer ça, on va clairer les sockets et on va faire un refresh ici, voir si on change de page. Ce serait vraiment excellent. Eh oui, fait que là, vous voyez, j'ai juste fait un refresh rendu sur Amazon. OK? Puis vous, si vous l'essayez, whereamiglobal.mwimelab.com. Je ne sais pas ce que vous allez. Allez voir sur Google, AWS, OVH, bref. Donc, une vraie belle stratégie hybride. Michael, j'ai pensé à une dernière chose. Est-ce que j'ai le temps de faire une dernière petite démonstration? Absolument. Absolument, vas-y. OK, excellent. Donc, dernière chose. Ça, c'est vrai. Là. Tu m'en vais ici. OK. Là, j'ai déployé à partir d'un Git.
Hein, parce que ça, c'est l'autre raison pourquoi on veut déployer avec ACM. On veut une source de vérité. Si je m'en vais ici, je change mon deployment. Okay? Je clique sur 2. Je scale à 2. Okay? Là, mon déploiement n'est plus consistant avec mon cluster qui est, exemple, chez Google. Ça, c'est mon cluster chez Google. Okay? Oups. Je le mets ici. On est là. Vous voyez? Donc, j'ai un cluster chez Google, puis j'ai un cluster chez Amazon. Là, je suis plus consistant. Je n'ai pas la même vue des deux côtés. Mais là, si vous avez bien remarqué pendant que je parlais, mon cluster AWS a retourné à 1. Pourquoi? Parce qu'ACM s'en est rendu compte. ACM a dit non, sur le Git, la définition, qu'est-ce qu'il y a dans le deployment config? C'est 1, pas 2. Donc, la seule et unique façon de changer ça, ce serait d'aller ici. Comme je dis, ce petit côté-là, j'avais oublié, en fait, c'est en parlant que je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je vous montre ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller modifier mon application, mon déploiement sur le Git, carrément. Donc, on va vraiment s'assurer qu'on a une révision, une version. On va s'assurer, puis normalement, en entreprise, vous devriez avoir des peer reviews quand vous faites des commits puis des merges. Donc, ça va s'assurer qu'on a des bonnes pratiques. Donc, ici, si je change de réplica à 2 et que je fais un commit de ce changement-là. Donc, ici, je dis OK, change replica à 2. OK, commit, push. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que on va avoir vraiment quelque chose de consistant à travers tous les clusters. Donc, vous voyez ici Google qui est parti en premier. On devrait voir AWS qui va suivre. Ça ne sera pas long. Je touche à rien. J'essaie d'être sûr que vous me croyez, là, que je ne suis pas en train de cliquer sur des choses en arrière-plan. Donc, ACM va les faire un après l'autre. Puis, ça ne va pas être trop long. Bon, tiens, pendant qu'on attend, je vais juste ouvrir mon cluster principal qui est on-prem. On va aller voir aussi, lui, qu'est-ce qu'il en est. Deployment. Oh, on va aller dans Where am I? Where am I? OK. Fait que le déploiement ici, fait que local cluster a été fait. Google a été fait, donc c'est une question de temps. AWS devrait suivre, devrait monter à 2 incessamment. Donc c'est la façon, vous voyez, d'en train de monter. Donc, j'ai maintenant quelque chose qui est consistant à travers mes environnements et mes administrateurs d'OpenShift ou mes administrateurs de système. Vous êtes sûr qu'ils ne pourront pas aller changer ce qui est running pour diverses raisons, là, que ce soit panne ou autre. Donc, 1h03, ça termine pour la démonstration. Je vous l'ai dit, on est allé très vite. J'ai pas pu vous montrer les détails, comment ça fonctionne en dessous. Il y a vraiment une tonne de détails que vous n'avez pas vus. Tu peux revenir mais, tu peux arrêter de partager maintenant. Oui. Bon. OK, parfait. Excellent. OK, moi, ouais, je viens de voir. super démo, Martin. Vraiment. C'est ça. Si vous voulez en savoir plus, écoutez, ben, vous avez nos emails en haut. Ça va me faire plaisir de vous le montrer là, un petit peu plus en détail, puis voir comment cette technologie-là peut fonctionner dans pour vos use cases, dans votre entreprise. Good. Merci, Martin. Donc, merci à tout le monde. On est passé un petit peu l'heure, mais c'est pas grave. C'est vendredi, je devine. Hein, les gens, il y en a plusieurs qui sont encore là. Fait que c'est le fun que vous soyez restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé le nouveau setup visuel. Si c'est pas le cas, ben dites-nous là aussi. On va s'arranger. On va arranger d'autres choses. Je pense que c'est le fun, Martin. Ben, c'est super le fun, Mika. Écoute, c'est vraiment comme si tu étais à côté de moi. Là. C'est fascinant. Ouais. Bon, ben super. Merci, Eric. Étienne, c'est vrai, on a deux nouveaux abonnés. Donc, je sais pas s'ils sont de la même famille, là, mais Pigolux et Pigoubet. donc merci, messieurs, mesdames. Non, c'est difficile à dire hein, les noms Twitch, si c'est un gars ou une fille. Donc, merci de nous suivre. C'est super apprécié. Merci, Eric. Merci à Henrik57. Merci d'avoir été là. Et on se dit dans 3 à 4 semaines. Là, on va préparer d'autres choses pour vous autres. Sur ce, bon week-end tout le monde. Allez prendre l'air en fin de semaine et on se beau. Bon week-end tout le monde. Bon week-end, Michael. Ouais, toi aussi. Bye-bye, Martin. Bye.